Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère qu'il n'y a pas de problème, que vous avez passé un beau jeudi férié. Euh, et puis en tous les cas, moi je suis ravi de vous retrouver comme à chaque fois. Euh, donc euh, j'espère qu'on va passer une belle émission. Le thème de ce soir, vous le savez, c'est décodons vos thèmes badzo. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à le mettre directement ici dans le chat en commentaire. Et puis si vous regardez en replay, j'espère que vous pourrez retrouver des informations intéressantes pour vous. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ce n'est pas encore fait si vous me regardez en replay, parce que ceux qui regardent en direct sont forcément abonnés pour pouvoir participer au chat. C'est une des conditions nécessaires pour pouvoir euh, participer au chat il faut être abonné à la chaîne donc euh, si vous n'êtes pas encore abonné que vous me regardez en replay et vous voulez participer sur un prochain direct n'hésitez pas à vous abonner donc euh, bonsoir euh, karine bonsoir véro bonsoir martine bonsoir tout le monde euh, Bonsoir Jean-Louis, je suis ravi de vous retrouver. Donc, euh, j'avais déjà posé quelques questions au préalable, euh, à savoir si vous aviez tout simplement des questions sur vos thèmes. Et vous avez été cette fois-ci nombreux et nombreux à m'envoyer des questions. Donc, je vais d'abord euh, aborder ces questions en priorité. Et puis ensuite, euh, s'il y a encore le temps durant cette émission, euh, vers la fin, bien évidemment, je répondrai à vos questions pour celles et ceux qui sont euh, présents euh, dans le. Thème. Alors je vois que euh, Jean-Louis pose une question qu'il m'a déjà posée par message. Donc euh, Jean-Louis, euh, ne vous inquiétez pas, c'est euh, mis de côté. Barbara qui a failli passer la dernière fois, même chose, ne vous inquiétez pas, Barbara, euh, vous êtes au programme de la soirée également. Donc euh, pas d'inquiétude pour ça. Je vais juste commencer avec une question que m'a posée euh, une, des, euh, une des, des membres de la chaîne ou un des membres, je ne sais pas exactement parce qu'en fait euh, son pseudo c'est AI écoute ou AL écoute. Bonsoir Obeline, ravi de vous retrouver également ce soir. Donc je vais commencer avec les premières questions. Et puis, euh, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Alors, par contre, petite information quand même euh, importante pour vous, c'est qu'une fois l'émission passée, une fois le direct passé, je ne réponds plus aux questions qui sont posées dans les commentaires. Donc, si vous regardez cette émission en replay, c'est inutile de me mettre une question, je ne réponds pas à ces questions-là hors émission. Si vous voulez après, vous pouvez toujours faire une mini-consultation avec moi qui dure 30 minutes, ça vous pouvez directement euh, le trouver euh, dans euh, la description, il y a le lien pour cela. Mais sinon, je réponds uniquement aux questions pendant les directs et après, une fois l'émission terminée, je ne réponds plus aux questions. Ou alors, il faut patienter la fois d'après. Ok, donc là je vois qu'il y a quelques questions qui rentrent, je vais les mettre quand même de côté pour l'instant, tous les cas j'ai des dates de naissance et des heures de naissance, mais je n'ai pas de questions, donc je mets ça de côté. Pour l'instant, je vous propose de revenir sur les questions qui m'ont déjà été posées au préalable, et puis euh, s'il y a du temps, comme je le disais. On verra euh, par la suite euh, ce qu'on peut euh, encore euh, faire et répondre en termes de questions. Ok, merci beaucoup Obeline, c'est super gentil, ça me fait extrêmement plaisir. Alors, la première question qui m'a été posée, alors avant tout, on va quand même passer au titre de l'émission, donc avec aujourd'hui, décodons votre thème Bazo, ça c'est vraiment euh, le, <laughs> le thème de l'émission de ce soir. Et la première question qui m'a été posée... C'est celle donc de Aïe écoute qui disait que c'était très intéressant le Bazi et euh, qu'en fait euh, elle voulait savoir comment on calculait le signe du mois en cours. Alors il faut savoir que ce n'est pas véritablement un calcul, mais tout comme en astrologie occidentale les mois correspondent à un signe particulier, on a la même chose en astrologie chinoise. Donc il faut savoir que euh, chaque mois va être euh, attribué à un animal particulier. Je vous ai fait euh, juste une petite... Une petite vidéo juste après que je vais vous montrer pour vous expliquer les différents mois et, et toutes ces choses-là. Et, et comme ça, ça va être beaucoup plus clair pour tout le monde. Et je trouvais la question intéressante parce que euh, c'est pas très compliqué en fait. C'est un peu comme l'astrologie la occidentale. Et vous allez voir que euh, c'est assez simple en fait une fois qu'on a bien compris l'histoire. Alors, euh, je vais très bien. Merci, <laughs> merci Christophe de, de demander. Je vais très très bien. Donc pas d'inquiétude. Tout va bien pour moi. J'ai une journée un petit peu chargée aujourd'hui. J'ai la visite en ce moment. Euh, chez moi, donc on a on a beaucoup parlé, on a beaucoup mangé, euh, on a beaucoup profité, et donc euh, voilà. Et euh, ne m'en veuillez pas si toutefois je fais quelques erreurs. Là, on vient de terminer le repas, donc euh, c'était euh, c'était un petit euh, un petit une petite parenthèse par rapport à ma journée euh, d'aujourd'hui. Ok. Alors, en tous les cas. Euh, pour répondre à la question de comment calcule-t-on le signe du mois euh, en cours c'est très simple euh, je vous ai fait directement ce petit euh, descriptif ici à l'écran donc il faut savoir que on a 12 signes pour les 12 mois et donc le premier mois de l'année de chaque année c'est toujours le tigre donc le mois de chaque année qui débute en astrologie chinoise, c'est le mois du tigre et le mois du tigre est toujours au mois de février. Donc l'année commence toujours aux alentours du 3, 4 ou 5 février. Donc en fait, on a trois animaux qui appartiennent à la saison du printemps, on va avoir le tigre, le lièvre et le dragon et contrairement à notre calendrier grégorien où au premier du mois, on passe dans un nouveau mois, en astrologie chinoise, ça dépend un peu des mois. Donc par exemple, pour le mois du tigre, c'est toujours aux alentours du 3, 4, 5 février. Pour le mois du lièvre, ça commence aux alentours du 5 ou 6 mars à peu près, ça change selon les années. Pour le mois du dragon, on est aux alentours du 4 ou 5 avril. Et donc là, on a la saison du printemps qui est complète par rapport au calendrier chinois. Ensuite, on va avoir la saison de l'été avec le serpent, le cheval et la chèvre. Donc le serpent, lui, commence toujours aux alentours du 5 ou 6 mai, plus ou moins. On a ensuite le cheval qui commence aux alentours du 5 au 6 juin. Donc, pour le mois de juin, pour vos prévisions astrologiques et feng shui, en fait, elles vont être euh, d'application à partir du 5 au 6 juin en fonction des années, par exemple. Pour le mois de la chèvre, c'est aux alentours du 7 ou 8 juillet. Donc, là, on a la saison de l'été qui est complète avec serpent, euh, cheval et chèvre. Ensuite, on va avoir la saison de l'automne qui commence au mois d'août dans le calendrier chinois avec l'animal, avec le singe. Et donc le singe, lui, c'est aux alentours du 7 ou 8 août à peu près. Ensuite, on a le coq, qui, lui, commence aux alentours du 7 ou 8 septembre. Ensuite, on a le chien, qui commence aux alentours du 8 ou 9 octobre. Et avec cela, on a la saison de l'automne qui est complète. Et pour finir, on va avoir les trois animaux qui appartiennent à l'hiver, à savoir le cochon, le rat et le buffle. Le cochon, lui, commence toujours aux alentours du 7-8 novembre. Le rat, lui, commence aux alentours du 7-8 décembre. Et enfin, on a le buffle qui commence aux alentours du 5 ou 6 janvier. Et donc le buffle, le mois de janvier, le buffle et lui le dernier mois de l'année astrologique chinoise parce que comme je le disais le premier mois commence toujours avec le tigre au mois de février. Donc voilà, je voulais répondre à cette question parce qu'en fait c'était intéressant de pouvoir euh, répondre à ces euh, à ces questions-là. Alors les intersaisons, euh, les intersaisons en fait c'est euh, justement ce sont les, les animaux terres, pour répondre à ta question, euh, Christophe, si c'est euh, si ce que tu demandes. Donc le dragon, euh, la chèvre, le chien et le buffle sont euh, ce qu'on appelle les intersaisons entre guillemets. En fait, c'est l'élémentaire qui est entre chaque saison. Donc j'espère que ça répond à ta question. J'espère que là c'est euh, clair pour tout le monde, mais en tous les cas, donc chaque animalier, il y en a quatre en tout, euh, correspond à ce qu'on appelle ici euh, l'intersaison, comme euh, demandait euh, Christophe. Christophe, qui je vous le rappelle, euh, est, euh, est un maître, un praticien en Qigong. Euh, il a une école euh, en Belgique, sur Bruxelles, où il donne beaucoup euh, de formations euh, et il fait de très très belles choses. Donc je vous invite à aller sur sa chaîne. Euh, si vous allez sur ma page d'accueil euh, sur la chaîne, euh, sur, enfin sur ma chaîne, sur la page d'accueil, vous allez voir un lien qui redirige vers, euh, vers euh, Qigong at School, donc euh, vers la page de Christophe. Donc voilà. En tous les cas. Euh je voulais revenir sur cette question parce que je la trouvais intéressante. Donc, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous comment on calcule euh, les mois par rapport euh, au calendrier chinois, au calendrier, au calendrier des SIA, comme on dit, le calendrier fermier. J'ai déjà parlé de ce genre de choses dans d'autres vidéos, donc je ne vais pas m'étaler là-dessus. Mais en tous les cas, je voulais un peu revenir sur cette question parce qu'elle était quand même très intéressante. Je ne sais pas si vous avez trouvé l'information intéressante, je l'espère. Mais en tous les cas, ça me semblait important de revenir sur ce genre de choses. Ok, tout va bien pour tout le monde J'ai un peu tendance à parler vite à chaque fois, hein. j'ai l'impression qu'il faut que je, je diminue un peu le tempo. Dites-moi si je suis trop rapide, dites-moi si tout va bien pour vous, j'attends un peu vos commentaires. Ok, ok apparemment ça va bien pour tout le monde, merci beaucoup. Donc comme d'habitude je regarde un peu à droite et à gauche, hein. j'ai mes trois écrans en fait à gérer, j'essaie de gérer la caméra, le son, enfin bref... Vous, vous savez un peu comment ça se passe. Je vous ferai un retour euh, coulisse, un de ces quatre, pour vous montrer comment ça fonctionne. Ok, super. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc, au moins, ok. Super info. Euh, hop, je me posais la même question pour la répartition des signes. Voilà, comme ça, Myriam, c'est clair maintenant. Vous voyez, il n'y a rien de bien sorcier. C'est euh, chaque animal, chaque branche terrestre, comme on l'appelle correctement, appartient à un mois particulier. Donc, euh, voilà. Ok. Exactement, Obéline, merci. Oui, effectivement, si ça va trop vite, il y a les replays de toute façon pour prendre des notes. Ok, super. Bah, merci beaucoup en tous les cas. Et puis, euh, bonjour en Polynésie. Merci d'être présente, euh, mes amis en Polynésie. Ça me fait extrêmement plaisir. Et merci également à Martine et à Jean-Luc qui sont, eux, euh, au Québec. Donc, on est à nouveau international. Il y a aussi des gens de Belgique que j'ai vus. Donc, merci d'être présente et présente. Ça me va droit au cœur à chaque fois. Vous n'avez même pas idée. Ok. Natskraplou qui vient d'arriver un peu en retard, il n'y a pas de souci, aucun problème. Alors, je vous propose maintenant euh, d'aller euh, sur une question qui m'a été posée et c'est la question euh, de Anne qui euh, posait la question à savoir euh, qu'elle avait des animaux qui étaient en conflit euh, côte à côte euh, dans son thème. Et donc, la question, c'était est-ce qu'elle devait se mettre en retrait euh, dans certaines situations lesquelles et euh, elle espérait que cette situation... Allez, enfin bon, cette, cette explication, les pouvoir profiter à tout le monde. Alors on a même quelqu'un du Sénégal. Merci, merci de me suivre là-bas. C'est super. Donc voyez, on est vraiment international ce soir à nouveau. Donc ça me fait extrêmement plaisir. Alors... Ce que je vous propose c'est de regarder le thème de Anne qui pose cette question par rapport aux animaux en conflit. Donc si vous avez des animaux en conflit dans votre thème, si vous connaissez les conflits, mais je pense que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, donc vous pouvez éventuellement regarder dans les autres vidéos avec les animaux qui sont en conflit. Donc si vous avez des animaux qui sont en conflit et qu'ils sont dans votre thème et qu'ils sont côte à côte, là le conflit est réellement présent dans votre thème et ça a bien entendu une signification particulière et dans le thème de Anne on va regarder directement. Alors hop, on va passer sur la prochaine image. Voilà. Ah, je me suis mal débrouillé par rapport à l'écran. Alors là, il va juste falloir que je bouge un peu mes écrans. Je suis désolé, je vais faire ça en direct avec vous. Euh, alors attendez. Il faut que j'arrive à juste hop, <laughs> prendre les choses en main ici. Non, c'est pas le bon truc. Euh, comment je fais habituellement c'est pas ça non plus. Euh, hop, non, c'est pas ça. Alors attendez, pourquoi ça ne veut pas Alors euh, claque, je pensais. Alors, il me manque le pilier ici. <laughs> je... Ah voilà, ok, on va y arriver. Alors ce qu'il y a de ce côté-ci, c'est moins important. Hop, je suis désolé. <laughs> Là, en tous les cas, pour... Hop là, voilà. Ok, j'aurais le même problème sur les autres, a priori. Donc voilà, en tous les cas, ça, c'est euh, le euh, thème de Anne. Et on voit qu'effectivement, elle a, à la fois dans l'année et dans le mois, elle va avoir un rat et un cheval. Et ces deux animaux sont en conflit en astrologie chinoise. Et elle a, dans le jour et dans l'heure, un dragon et un chien qui sont également en conflit. Alors, qu'est-ce qu'apportent ces conflits Alors, il ne faut pas forcément se mettre en retrait constamment, Anne. Euh, ce, qu ce que va apporter le conflit euh, entre le rat et le cheval, c'est avant tout un sentiment de malaise. Ça peut être de l'agitation, par exemple, également. Et donc, qu'est-ce que ça peut toucher le pli d'année avec le cheval, euh, euh, avec le rat, pardon, correspond lui plutôt aux connaissances extérieures qu'on peut avoir, donc aux, aux, aux gens qui sont proches de nous mais pas très très proches en même temps. Et euh, le pilier du mois co correspond lui avec le cheval ici, euh, plutôt à la carrière. Donc ce sentiment de malaise ou cette agitation, les choses comme ça qui sont un peu stressantes, ça peut concerner ces deux euh, domaines de votre vie. Donc il ne faut pas forcément faire se mettre en retrait, mais en tous les cas on a cette indication qui est là. Par contre, pour celles et ceux qui suivent les émissions depuis un paquet de temps, vous savez également que le cheval, euh, c'est une autopunition. Donc quand il y a une année cheval qui arrive ou un mois cheval, donc le mois de, du cheval, c'est le mois de juin, c'est le mois qui arrive euh, le mois prochain, dans ces cas-là, on peut avoir un sentiment comme ça euh, de culpabilité éventuellement, on peut se sentir émotionnellement euh, un peu plus... Euh, un peu plus, comment dirais-je, euh, bouleversé. Et donc là, c'est des moments comme ça dans la vie qui peuvent être un peu plus compliqués à traverser. Mais en tous les cas, il faut juste en prendre conscience. Et comme je lis souvent, les autopunitions, c'est plutôt une façon qu'on a nous de voir les choses, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui correspond à la réalité. Donc voilà pour ce conflit à cheval et pour cette autopunition avec le cheval. Ensuite, Anne a dans son thème, dans le jour, un dragon et dans l'heure, un chien. Et là, on a en fait un conflit à nouveau. Et très souvent, ça peut être un conflit qui, qui va symboliser ou qui va plutôt apporter des, des conflits avec des êtres chers. Ça peut être aussi un problème de sécurité, par exemple. Et comme on a le chien qui est dans le pied de l'heure, l'heure va correspondre aux biens qu'on possède, aux choses qu'on qu a qu'on qu oui, qu possède réellement. Donc ça peut être éventuellement un problème de sécurité par rapport à nos possessions. Donc là, il faut peut-être faire attention euh, quand on a par exemple une, une maison ou un appartement, genre de choses, ou peu importe, ou alors on a placé de l'argent euh, euh, en bourse ou ce genre de choses. Là, il pourrait y avoir des problèmes, par exemple. Parce qu'en plus, là, on a les deux animaux qui sont dans le thème constamment là. Et donc ce conflit est bien présent. Ou ça peut être des conflits avec des êtres chers comme je le disais, ça peut être également des conflits qui peuvent être apportés au travail, également avec des collègues avec qui on s'entend très bien par exemple. Donc voilà, ça peut dénoter ce genre de choses. Donc effectivement, là en ce qui concerne Anne, là c'est deux conflits de présent, rat, cheval et puis chien et dragon. Et moi ce que ça me donne comme image au départ quand je regarde un thème comme celui-ci, c'est qu'en fait les branches terrestres c'est là où l'énergie est la plus importante et en fait ce que ça me donne comme indication, c'est que les bases, les fondations entre guillemets ne sont pas super stables. Alors ça ne veut pas dire que la personne est instable, ça veut juste dire que les bases ne sont pas super stables et qu'il y a des tiraillements toujours à un moment ou l'autre de la vie. Donc j'espère en tous les cas que Anne ça répondait à ta question, ok. Donc, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Alors, je vois que ça discute dans le chat entre Obéline et Nascraplou. Bonsoir, Isabella. Ok, pas de problème. Anne, avec grand plaisir, euh, exactement. C'est très souvent. Pour l'autopunition avec le cheval, c'est un problème de perception. Après, euh, le conflit euh, entre le rat et le cheval qui apporte un sentiment de malaise, de l'agitation, ou alors le conflit entre le chien et le dragon qui peut apporter des conflits avec les gens qu'on aime, ou alors des problèmes de sécurité, c'est quelque chose qui est présent dans le thème. Alors ça ne va pas être tout le temps, tout le temps euh, aussi fort. Typiquement, en fait, c'est quand un des deux animaux. Qui est, qui est impliqué dans le conflit, vient avec une année, par exemple. Là, dans ce cas-là, les choses sont plus fortes. Ou alors, vient avec une décennie, avec les pieds de la chance. Donc, voilà. J'espère qu'en tous les cas, cette explication a pu être euh, profitable pour tout le monde. On va passer à la prochaine question, euh, qui est de Feriel. Alors, je ne sais pas si Feriel est là. Feriel, êtes-vous là ce soir Donc, sa question, c'était... Euh... Bonjour, ravi de découvrir la chinoise et merci pour vos explications. Comment déceler dans le thème une personne artiste ou du moins qui possède un certain potentiel artistique Je suis né le 14 janvier 68 à 9h45. Donc il y a une façon très simple de regarder, euh, de regarder cela. Et euh, je vais prendre après la question de Barbara juste après, parce qu'en fait la question de Barbara allait à peu près dans le même sens. Mais je voulais d'abord commencer par celle de Feriel parce que justement on va pouvoir voir dans un thème euh, comment on peut regarder euh, si quelqu'un a une possibilité ou une capacité. Alors vous voyez, une fois de plus, ça se met pas comme il faut. Donc je vais devoir essayer de vite euh, changer ça. Alors, je suis désolé à nouveau. Hop. Euh, non, ce n'est pas ça que je voulais faire. Alors, attendez, excusez-moi. Je vais y arriver. Non, ce n'est pas celui-ci. À chaque fois, je retiens. En fait, je ne retiens pas la, la, la touche qu'il faut pour pouvoir euh, faire directement ce que j'ai envie de faire. <laughs> C'est incroyable. Qu'est-ce que je fais habituellement pour ça euh, Alors, clac. Voilà, on va y arriver. OK. Donc... Comment on peut voir si quelqu'un a une fibre artistique Vous avez sur le côté de votre tembaze, vous avez directement ce qu'on appelle ici, je vais vous le montrer à l'écran, ça va être plus simple, vous avez ce qu'on appelle l'étoile des arts. J'espère que vous voyez bien tout le monde ici. Et donc, on voit que pour le thème de Feriel, euh, l'étoile des arts, en fonction de si on prend la branche de l'année en considération, si on prend la branche du jour en considération, on a la chèvre de toute façon. Et qu'est-ce qu'on voit chez euh, Feriel On a effectivement deux étoiles des arts de présente. Alors, qu'est-ce que veut dire cette étoile des arts Très souvent, c'est une indication comme quoi la personne va être éventuellement douée artistiquement. Donc elle est capable d'avoir une production artistique. Mais ça peut tout simplement vouloir dire aussi que la personne aime les arts en général. Donc c'est quelqu'un qui va aimer aller voir des expositions, qui va aimer euh, euh, éventuellement écouter de la musique, enfin euh, s'intéresser à, à plein de choses qui concernent l'art, peu importe le type d'art, d'accord Donc ça c'est une deuxième explication possible. La troisième explication, parce que parfois des personnes ont cette étoile des arts de présente, mais ne sont absolument pas artistiques et n'aiment pas plus que ça les arts. La troisième indication, elle est un peu moins euh, favorable, j'ai envie de dire. Pensez simplement au processus créatif. Quand on est dans un processus créatif, on est seul en général, d'accord Que ce soit en peinture, en sculpture, en... si quelqu'un crée de la musique, etc. Tout se passe d'abord dans la tête et puis après, euh, au travers des mains, on a quelque chose qui est produit. Mais sur ces moments-là, en général, on est seul. Donc, l'étoile des arts, qu'est-ce qu'elle peut également signifier de la solitude Donc, ça, c'est également quelque chose que moi je prends en compte quand je regarde un thème. Euh, c'est si la personne est une étoile des arts de présente, ok, je vais poser la question à la personne en disant est-ce que éventuellement tu es un peu artistique, ou est-ce que tu aimes aller à des expositions, ou est-ce que tu aimes l'art en général, ou est-ce que tu crées toi-même euh, des, des choses artistiques ça, c'est la première question que je pose. Si la personne me dit non, dans ces cas-là, je sais que ça va plutôt être euh, la dernière possibilité au niveau de l'étoile des arts, à savoir ce sentiment de solitude. Donc, vous pouvez vérifier directement dans votre thème si vous avez euh, une étoile ou deux étoiles des arts, comme ici chez Feriel, de présente. Et dans ce cas-là, ça vous donne des indications par rapport à votre thème. OK J'espère que c'est euh, bien clair pour tout le monde. OK alors, euh, quelqu'un me dit, c'est Mercure en rétrograde qui fait ça. Non, c'est qu'en fait, euh, j'ai préparé cet après-midi cette émission, et puis euh, comme mon iPad était en train de recharger, j'ai pas eu le temps de voir si mes recadrages étaient corrects par rapport à comment j'ai placé les choses sur l'écran. Donc voilà, euh, c'est juste un retard de mon côté, donc désolé pour ça. On aura comme ça euh, à chaque fois quelques petites secondes euh, où il va falloir patienter pour que je réadapte un peu l'écran, mais euh, sinon... Euh, Sinon, voilà pour l'explication. Donc j'espère en tous les cas que c'était bien clair pour vous à ce niveau-là. Donc regardez simplement si vous avez une étoile des arts et euh, si euh, ça correspond par rapport à ce que vous savez de votre vie, si vous êtes vous-même artistique, vous avez des talents artistiques ou si vous aimez simplement l'art en général ou si alors ça peut être synonyme de solitude éventuellement pour vous. Ok. Donc maintenant je vous propose de passer à la question suivante, à celle de Barbara qui disait, euh, ma carrière artistique va-t-elle évoluer Donc 23 septembre 85 à 9h15. Euh, donc elle était présente la dernière fois, mais son message est arrivé à la fin et euh, il, est, il est arrivé trop tard. Donc cette fois-ci, euh, Barbara, je vais pouvoir répondre à euh, votre question. Et je pense que si vous avez regardé votre thème, vous avez certainement déjà vu que vous aviez des étoiles lézards, des ok Obeline dit qu'elle a fait des études d'art et Obeline, vous avez certainement également, donc dans ce cas-là, ces fameuses étoiles. Alors, je vais directement préparer euh, le thème ici de Barbara. Il faut que je le retrouve. Voilà, il est ici. Ok. Donc, euh, ah, bah cette fois-ci, on l'a en entier. Fantastique. Alors, j'espère que vous allez le voir un peu ici. Normalement, ça devrait aller. Alors, qu'est-ce qu'on voit chez Barbara C'était ah, un peu la même question que Feriel juste avant, donc à savoir euh, carrière artistique et que, si ça va évoluer ou pas. Déjà, on peut voir que chez Barbara, on a l'étoile des arcs qui est le buffle. Qu'est-ce qu'on voit chez elle on a deux buffles. Donc on a un cas similaire. Juste avant, on avait deux chèvres. Ici, on a deux buffles. Donc vous remarquerez aussi que l'étoile des arts correspond en général euh, aux animaux qui sont, sont terres, en fait. Ces intersaisons dont parlait Christophe juste avant. Bref, je referme ma petite parenthèse. Tout ça pour dire que Barbara, effectivement, vous avez de toute façon deux étoiles des arts. Donc cette euh, production artistique, cette envie artistique est bien présente. Euh, donc vous avez une étoile des arts dans l'année, une étoile des arts dans le jour. Euh, par contre, en termes de production, donc vous êtes euh, votre euh, maître du jour. Vous, c'est le bois. Donc on voit que vous avez du bois ici. Et en maître du jour, c'est du bois in. En l'occurrence pour vous, mais peu importe. C'est synonyme de flexibilité, ce genre de choses. Mais ça, c'est pas euh, ce qu'on veut euh, voir pour le moment. Ce qu'on veut voir, c'est est-ce que c'est bon ou pas Ou est-ce que ça va évoluer Alors ici, au-delà d'avoir deux étoiles des arts de présente, qui indique euh, qu'on qu a cette capacité à pouvoir être dans les arts ou, ou un talent qui est disponible Ça, c'est une première chose. Par contre, euh, ce que j'aime bien regarder également, c'est euh, par rapport au maître du jour. Donc on, ici, on a du bois et le maître du jour va produire un élément. Est-ce que vous savez quel élément qui est produit par le bois Si c'est le cas, mettez-moi ça directement dans les commentaires pour ceux qui regardent en direct. Et si vous regardez en replay, essayez de réfléchir à cet élément qui est produit par le bois. Quel est l'élément qui est produit par le bois Dites-moi ça directement en commentaire. Dites-moi, dites-moi. Je vois qu'il y a plein, plein de de gens qui discutent à propos, euh, à propos des arts. Ok, Barbara, je suis actrice et démarre un gros projet en juin. Ok. Alors, ok, bah, directement, parfait. Vous êtes fantastique. On a des pros maintenant de l'astrologie chinoise. Tout le monde dit le feu ou presque. Ok, effectivement. Le bois va produire le feu. Si je veux faire un feu, j'ai besoin de bois, d'accord Donc, l'élément qu'on produit, c'est donc notre élément production, c'est ce qu'on est capable de produire. Donc en termes artistiques, c'est aussi ce qu'on, c'est ce qu'on produit. Donc en termes d'actrice, ça va être le jeu, ça va être voilà ce genre de choses. Euh, si on est peintre, ça va être le tableau. Si on est sculpteur, ça va être la sculpture au final. Mais c'est ce qu'on produit, ok? Et il faut savoir que ici, par rapport au thème de, de Barbara, on a un boy-in qui est faible. Donc l'élément feu n'est pas forcément un élément qui est euh, favorable. On retrouve également en fait euh, cet élément feu ici chez euh, Barbara dans le pilier de l'heure. Et le pilier de l'or correspond à ce qu'on est capable de produire, donc à nos biens, euh, à nos possessions, mais aussi à ce qu'on produit et également euh, à nos rêves, à nos ambitions, etc. Et cet élément feu n'est pas forcément favorable. Donc, euh, comment je pourrais résumer euh, un peu les choses Je pense sincèrement que pour cette année, euh, en tous les cas, euh, 2022 et 2023, Barbara, les choses devraient bien aller. Parce que cette année, on a un tigre d'eau. Donc on a à la fois du bois, parce que le tigre, c'est l'élément bois, et l'eau euh, qui l'accompagne, vous fait du bien. Parce qu'en fait, les deux éléments qui vous sont favorables par rapport à votre thème, c'est le bois et l'eau. Donc cette année, typiquement 2022... Elle, est, elle apporte du bois et de l'eau, donc ça devrait être favorable. Et donc, si le projet commence là au mois de juin, ça devrait aller, même si le mois de juin c'est un élément feu et ce n'est pas forcément euh, des plus favorables pour vous. Mais en tous les cas, ça correspond à de la production, ça correspond en fait justement à ce côté créatif. Donc, malgré tout, il faut l'exploiter. Et euh, l'année prochaine, 2023, c'est également avec le lièvre d'eau. On a à nouveau du bois et de l'eau qui arrive et ça de toute façon ça fait du bien à votre thème. Donc j'espère que ça, ça répond à votre question. Je pense que cette année et l'année prochaine, en tous les cas, en, thème, en termes de carrière et d'évolution de carrière, c'est en tous les cas une bonne chose. Donc voilà pour euh, la réponse de, euh, que je voulais apporter à Barbara. Alors une chose que j'ai oublié de dire dès le départ, euh, il faut savoir que avec le Bad et puis avec ce que je vous dis par rapport à ces émissions et en plus à vos questions et aux réponses que je vous donne ici en direct, vous n'allez pas entendre à chaque fois ce que vous avez envie d'entendre. D'accord Il faut être très très clair là-dessus. Parfois, les réponses que je peux vous donner ou que je peux vous apporter peuvent être pour vous très décevantes. Mais bon, moi, je vous donne simplement ma lecture et je vous dis ce que votre thème me montre en tous les cas ou ce que j'en tire comme information. Donc... Euh, il va pas falloir m'en vouloir personnellement. Je fais juste une lecture de votre thème. Et parfois, les choses ne vont pas toujours dans le sens dans lequel on aurait envie qu'elles aillent. Donc voilà, je referme ma petite parenthèse. Mais vous n'allez pas entendre à chaque fois ce que vous avez envie d'entendre. OK Donc ça, c'est pour la petite explication. OK. Alors, est-ce qu'il y avait des choses intéressantes également Les artistes du groupe, quand vous créez, vous ne préférez pas être seul, vous, moi si. Oui, c'est ce que je disais justement, Lorraine. Avec cette étoile des arts de présent dans le thème, en termes de création, en général, on est seul. Euh, on fait ça seul. C'est pour ça que très souvent, cette étoile des arts est également synonyme de solitude mais quand quelqu'un n'a absolument pas la fibre artistique ou ne s'intéresse pas à l'art dans ce cas là euh, la déduction logique c'est justement la solitude donc j'espère en tous les cas que ça a un peu euh, apporté quelques éclairages intéressants euh, en ce qui concernait ces questions par rapport à l'art et merci d'avoir posé ces questions Barbara et puis euh, Feriel également parce que je trouve ça justement intéressant de pouvoir interagir avec vous et répondre à des questions très concrètes comme celle-ci. Donc Barbara j'espère que ça va j'espère que je ne vous ai pas euh, démoralisé ça donne de la force ok merci mille merci ben avec grand plaisir en tous les cas si euh, si ça peut si ça peut vous aider en tous les cas euh, en termes de progression de carrière et que vous avez des réponses et vous savez comment du coup mieux gérer les mois qui arrivent ou les années qui arrivent c'est euh, très bien comme ça ok bon parfait fantastique <laughs> parfait alors je vous propose maintenant de passer à la prochaine question. J'espère que ça va bien pour tout le monde, j'espère que c'est intéressant pour vous. Euh, ça c'est bien vrai, le thème n'est pas toujours top, mais non, mais il faut faire avec. Et puis, et puis une fois de plus... Euh, euh, je vous rappelle notre fameuse trinité cosmique, hein, euh, la terre, le ciel et l'homme, la terre c'est le feng shui, euh, le ciel c'est le bazoo, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, et l'homme c'est vous, c'est vos actions, c'est vos décisions. Donc ce n'est pas parce que les indications ne vont pas forcément dans votre sens euh, qu'il faut être défaitiste, non, rien n'est gravé dans le marbre, vous avez, vous, en tant qu'humain, en, qu en tant que personne, euh, tout à fait la capacité. Et euh, le pouvoir de changer les choses aussi, d'accord Ça ne l'oubliez jamais, c'est super important. Je le répète très très souvent, mais votre libre arbitre, vos décisions, vos actions, au bout du compte, c'est ce qui va faire la différence. Donc euh, la lecture du Bazo vous permet de mieux vous préparer, de mieux vous comprendre et de mieux savoir quand il est bon de faire tel ou tel type de choses. Mais malgré tout, au final, c'est vous qui décidez, d'accord Ne devenez pas esclave de ce type de lecture. J'espère que là, j'ai été très très clair par rapport à tout cela. Ok, et comme dit Martine, effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Euh, Nadia demande si une étoile des arts est différente si elle est relative au buffle à la chèvre. Non, elle n'est pas différente. Elle a exactement la même signification. Quand on en a qu'une, c'est absolument pas un problème. Ça veut dire qu'on a malgré tout soit cette fibre artistique, euh, soit ce, ce, cette, euh, ce goût pour les arts, ou alors éventuellement, comme je le disais, cette indication de solitude. Avec grand plaisir, Barbara. Alors effectivement Myriam, c'est pas parce qu'on n'a pas d'étoiles des arts qu'on n'est pas capable ou qu'on n'a pas envie ou qu'on n'aime pas peindre ou faire de la musique. Donc si vous aimez peindre et faire de la musique, ça rentre dans ce que je disais. C'est tout simplement vos décisions en tant que personnes qui sont importantes et vos actions. Et là vous le, vous le décrivez très bien. Vous n'avez pas d'étoile des arts, mais malgré tout, vous aimez peindre et vous aimez faire de la musique. La seule différence en fait entre euh, Myriam, entre vous et par exemple Barbara, c'est que quand on est une étoile des arts et qu'on l'exploite, les choses sont beaucoup plus faciles. Alors que peut-être que l'apprentissage de la peinture ou euh, l'apprentissage de la musique par exemple pour vous Myriam, est peut-être un peu plus... Euh, plus... c'est pas compliqué le terme, je cherche mes, je cherche mes mots là, euh, c'est peut-être un peu plus... Euh, pas pas studieux, mais en tout, enfin vous voyez ce que je veux dire. C'est en tous les cas ça demande un peu plus de travail, j'ai envie de dire. C'est moins euh, moins inné entre guillemets. Ok. <laughs> ok, ouais wow, j'ai la fibre artistique. <laughs> Parfait. Donc vous continuez à vous découvrir durant ces émissions, j'en suis ravi. Ok. Ensuite j'avais la question de Jeanne. Donc née le 24 décembre 1950, euh, le soir de Noël, euh, et qui euh, aimerait savoir si euh, son traitement actuel va, être, va rester suffisamment efficient pour, euh, pour lui permettre, malgré son état depuis deux ans, de garder le même cap qu'actuellement, euh, parce qu'elle euh, elle, elle a eu une, une maladie assez grave dont elle a fait une rechute, et euh, elle voulait savoir si euh, son traitement qu'elle a actuellement, qui, qui, qui lui convient bien, Aller lui permettre euh, de continuer à aller bien comme elle se sent en ce moment. Alors, euh, je fais juste un petit avertissement par rapport à ce type de questions. Euh, j'ai été infirmier dans le passé, euh, je n'ai pas pratiqué depuis euh, des années et des années. Ce que je vais vous dire là comme, euh, comme indication, comme conseil, ce ne sont pas des conseils médicaux, d'accord Ce ne sont pas non plus des conseils de professionnels euh, de, de santé. Je ne suis plus dans le domaine depuis pas mal d'années, même si euh, j'ai été infirmier, comme je l'ai déjà expliqué à plusieurs reprises. Donc je ne vais faire qu'une lecture par rapport au thème. Mais surtout, euh, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est faites confiance à votre équipe thérapeutique qui vous, qui vous entoure quand vous êtes dans la situation euh, comme euh, ici euh, avec Jeanne. Donc faites confiance à votre équipe thérapeutique. Je ne vous donne que des petites indications et je ne vais pas me substituer au thérapeute. D'accord euh, Je voulais juste faire ce petit avertissement parce que ça me semble très important. J'espère que ça, c'est bien clair pour tout le monde. Ok. Alors. Ah oui, il faut peut-être que je change de thème par contre parce qu'on là on n'est pas sur le bon thème bien évidemment. Alors hop là, je vous voyez, je fais ça vraiment en direct avec vous euh, ce soir. Voilà. Donc ici euh, on a euh, le thème euh, de Jeanne et euh, Jeanne, si je ne dis pas de bêtises, se trouve euh, actuellement euh, dans ce pilier ici. Hop. Jeanne, si vous êtes présente, vous pouvez me corriger. Ok, alors ce qu'il faut dire déjà ici euh, par rapport au thème de Jeanne, c'est que Jeanne est maître du jour au Yin, maître du jour... Oyin, euh, c'est quoi? C'est le nuage, c'est la rosée du matin. Voilà, c'est l'eau qui est plutôt euh, difficile à, à capter, qui est difficile à cerner, etc., qui peut se cacher un peu partout. Si vous avez regardé euh, éventuellement la vidéo que j'ai publiée euh, le week-end dernier euh, en ce qui concerne le procès qui a lieu actuellement entre Johnny Depp et Amber Heard, vous savez que Johnny Depp est également Oyin. Si vous avez regardé euh, l'émission, enfin euh, la vidéo en question, si vous n'avez pas encore fait je vous invite à aller la voir parce que je pense que j'ai fait un gros travail sur leurs deux thèmes et je trouve que c'est très très intéressant ça permet de me comprendre ce qui se passe avec ce euh, ces deux personnes et euh, voilà donc en tous les cas je vous invite à aller voir la vidéo si vous n'avez pas vu donc le thème de Jeanne euh, donc Jeanne est une Oyin qui est forte parce qu'elle est née euh, au mois de décembre le mois de décembre c'est le mois du rat et le rat c'est la saison de l'hiver et c'est la saison de l'eau donc son thème est fort alors il y a plein d'autres indications, je ne vais pas rentrer dans, toute cette, dans toutes ces explications au niveau du thème parce que ça, ce serait un peu trop compliqué bien évidemment. Euh, en tous les cas, ce qui est intéressant Jeanne par rapport à votre thème, c'est que vous m'avez indiqué que vous êtes tombé malade en 2011. Moi je pense que le problème était déjà présent en fait dès 2010. En 2010 on avait un tigre de métal qui est le même que vous avez dans l'année en fait ici. Yeah. <laughs> vous êtes né une année euh, tigre de métal et donc je pense que c'est euh, au moment de vos 60 ans grosso modo hein, parce que le tigre de métal revient tous les 60 ans que le problème s'est euh, déclaré en tous les cas parce qu'on a ce qu'on appelle un fouine un fouine j'en ai parlé je crois dans l'émission d'il y a 15 jours quand on a fait euh, le décodage de thème en direct un fouine c'est quand on a le même pilier euh, d'une année qui vient et qui est équivalent à un de nos piliers et donc il y avait ce fouine et je vous ai expliqué euh, quand j'ai parlé des fouines que sont très souvent des des années euh, quand elles arrivent comme ça dans notre vie où ce sont des événements qui font couler les larmes c'est très souvent une indication qu'il y a quelque chose qui se passe qui n'est peut-être pas forcément hyper favorable et je dis très souvent quand on a un fouin de présent dans son thème ou qui arrive avec le temps c'est peut-être une année où faire de l'introspection et plutôt euh, plutôt prendre de, du recul par rapport aux choses donc ça, c'était la première indication que je voulais donner. Mais bon, après, c'est vous qui connaissez votre parcours, en tous les cas, à ce niveau-là. Mais moi, je pense que euh, les choses se sont peut-être déclarées euh, dès 2010. Et euh, pourquoi également 2010 Parce qu'en fait, euh, le yang que vous avez de présent dans votre thème, c'est ce yang qui pose problème par rapport à votre pathologie. Alors, je reste assez vague pour préserver, bien entendu, euh, le... Le, comment dirais-je, euh, la, la, comment on appelle ça, l'intimité de chacun. En tous les cas, par rapport ici à un problème médical, je ne vais pas euh, donner plus d'indications. Mais en tous les cas, pour vous, euh, en termes d'explication, Jeanne, euh, c'est euh, le Metal yang qui pose problème par rapport à votre pathologie. Donc, euh, je pense que malgré tout, euh, vous êtes dans un bon pilier actuellement. Pourquoi Merci beaucoup. Merci Marie de devenir membre de la chaîne. C'est super gentil. Donc pourquoi je pense que vous êtes dans un bon pilier actuellement euh, comme je disais, vous êtes au fort. Donc de toute façon, un pilier qui vous apporte euh, du feu va être favorable pour vous parce que euh, ce feu va de toute façon vous affaiblir. Donc ça c'est déjà plutôt une bonne chose. En plus, ce pilier dans lequel vous vous trouvez actuellement, euh, donc entre 66 et 75 ans, euh, vous apporte beaucoup d'hommes nobles. Les hommes nobles c'est quoi C'est du soutien. Et en plus, alors ce n'est pas indiqué ici dans votre thème, mais avec chaque, euh, euh, chaque animal que vous avez présent dans votre thème, vous avez beaucoup, et principalement euh, ici sous le tigre et ici sous le serpent, vous avez beaucoup de soutien, vous avez beaucoup d'hommes nobles. Donc j'ai envie de dire qu'il y a de toute façon une forme d'ange de, de, gardien, enfin j'aime pas trop parler comme ça, mais une forme de protection qui est là. Donc j'ai envie de dire qu'en tous les cas, dans le pilier dans lequel vous êtes, dans la décision dans laquelle vous êtes actuellement jusqu'à 75, 76 ans, de toute façon, les choses devraient bien se passer pour vous. En tous les cas, en termes de traitement, si vous le supportez bien actuellement et que ça vous convient, je pense que les choses devraient continuer à bien aller en tous les cas. Là où ça devient un peu plus euh, peut-être problématique, c'est éventuellement euh, ici dans le prochain pilier parce qu'on a à nouveau ce métallion qui apparaît qui est problématique chez vous, mais donc en tous les cas, là pour le moment, je pense que les choses devraient continuer à bien aller. En tous les cas, donc j'espère que euh, ça répond euh, à votre question, euh, Jeanne. Je vais pas aller plus en détail par rapport à ce que vous m'avez envoyé, mais j'espère que ça répond à votre question. Alors euh, oui Marie bonsoir, il n'y a pas de souci, elle replay pour ça. Merci d'être devenu membre et puis, et, puis, euh, et puis oui un grand grand merci, Vous serez sur la liste des membres en fin de vidéo. La prochaine fois j'aurai pas le temps de le mettre en tous les cas ce soir euh, directement. OK. Alors euh, apparemment... OK donc parfait. Alors, apparemment, vous avez vu la vidéo sur, euh, sur Johnny Depp et Amber Heard. Ok, donc vous avez euh, passionnante, ok, mes neurones ont bien fonctionné. Ok, parfait. Oui, je donne beaucoup d'informations durant cette vidéo. J'ai parlé extrêmement vite. Je m'en suis rendu compte par la suite, mais il y avait vraiment tellement de choses intéressantes à dire que voilà. En mars 2011, ça a été découvert. Donc moi, moi, je pense que effectivement, le diagnostic a été posé en mars 2011, mais je pense que les choses étaient déjà en route en 2010, en fait, par rapport à ce métal yang qui était présent en 2010, parce que c'était une année tigre de métal, exactement comme vous avez ici dans votre thème. Donc j'espère que j'ai répondu à la question. Ok. Avec grand plaisir, Jeanne, et puis surtout, gardez le moral, et puis, euh, puis bon courage à vous, et, et content de vous savoir parmi nous dans cette belle communauté. Donc, euh, voilà, j'espère en tous les cas que ça aura pu vous aider. Et comme je te disais, je ne veux pas me substituer aux médecin loin de là. Euh, et, euh, et en tous les cas, faites confiance à votre équipe. Et puis je pense que là, par rapport à votre question, pour le moment, tout va bien. Ok. Ensuite, j'avais comme question la question de Jean-Louis qui demandait une seule question pour le prochain direct. Euh, je souhaite quitter le Canada-Québec pour revenir m'installer en France vers Cannes. Suis-je actuellement dans une bonne période pour ce projet Alors. On va directement regarder maintenant le thème de Jean-Louis. Voilà, je l'ai déjà préparé ici, j'espère que je ne vais pas devoir euh, trop euh... non, fantastique, on le voit très bien directement, je n'ai pas besoin de rerégler euh, l'image. Alors ici avec Jean-Louis on a également un maître du jour Oyin c'est également une Oyin qui est euh, forte parce que c'est également euh, le mois du rat si je ne dis pas de bêtises oui le 9 décembre donc on est bien dans le mois du rat et donc on a une Oyin ici qui est forte et euh, on a également alors ça c'est un peu plus technique pour celles et ceux qui connaissent un peu plus le, le bazeux je pense à Dagmar qui est présente ici ce soir on a ici un buff et euh, un coq et ça ça fait une demi-combinaison du métal et le métal produit l'eau donc la rend encore plus forte donc euh, qu'est ce que je peux dire à, à tout cela également euh, actuellement si je ne dis pas de bêtises euh, jean louis se trouve dans ce pilier ci et euh, il faut savoir que le dragon avec Sera ici présent c'est une demi-combinaison de l'eau. Donc ça apporte beaucoup d'eau, ça rend son eau encore plus forte. Alors est-ce que c'est euh, favorable pour lui Est-ce que cette décennie actuelle est favorable Est-ce que ce tigre d'eau cette année dans laquelle nous nous trouvons ou l'année prochaine 2023, lièvre d'eau, euh, sont favorables pour lui j'ai envie de dire pas nécessairement, parce qu'il y a beaucoup d'eau euh, qui, qui, qui est présente cette année et l'année prochaine par rapport à son thème, mais en tous les cas, euh, ça, ça dessine dans laquelle il se trouve plus le fait que cette année et l'année suivante apporte de l'eau, même si c'est mélangé avec du bois, parce qu'on a le tigre qui est bois et le lièvre qui est bois qui va épuiser cette eau malgré tout mais pas assez à mon goût pour que les choses soient vraiment en sa faveur. Donc est-ce que les choses sont vraiment en votre faveur pour un déménagement J'ai envie de dire que les éléments ne vous supportent pas ou ne vous soutiennent pas forcément dans ce sens-là. Mais comme je le disais, euh, ce n'est pas forcément euh, l'indication la plus importante. Ce qui est important, c'est ce que vous allez vous décider. Et euh, je pense que de toute façon, si c'est votre souhait le plus cher, il faut simplement le faire. En termes d'éléments, vous n'êtes pas soutenu actuellement. Par contre, faites-le, il n'y a aucun problème. Ça ne va pas forcément vous rendre la vie plus difficile, d'accord C'est juste ce que je peux dire par rapport à ça. Vous n'êtes pas soutenu en termes énergétiques par les éléments. C'est tout ce qu'il faut retenir de cela. J'espère, Jean-Louis, que j'ai répondu à la question. Dagmar qui est présente dit exactement par rapport, je pense, à la demi-combinaison. Ok. Alors... Euh... Ok, c'était passionnant, merci beaucoup Anna Scraplo, ok. <laughs> je reviendrai un peu vers la fin, euh, euh, c'est décidé mais trop long, merci Johan. Euh, oui, non mais c'est pour ça que je vous dis, comme c'est décidé, faites-le tout simplement et puis, et puis voilà quoi. Quand vous dites trop long, c'est parce que ça ne se met pas en route assez rapidement je pense. Merci beaucoup euh, Christophe, c'est super gentil. Merci merci. Ça me fait extrêmement euh, plaisir. Merci beaucoup. <laughs> vous êtes euh, vous êtes adorable, ça me touche euh, énormément. Alors, ensuite parce qu'il y a encore des questions. Hein. Ok, dans ce cas-là, il faut prendre les choses en main, Jean-Louis, et puis, et puis avancer, et puis foncer. Euh, parce qu'il n'y a, a pas autre chose à faire que ça en ce moment. Euh, vous n'êtes pas soutenu forcément, donc les choses peuvent être compliquées. Ça peut expliquer que ça prend du temps, justement, parce qu'il n'y a pas forcément ce soutien en termes d'éléments. Donc, euh, même si vous n'êtes pas soutenu, essayez de faire euh, tout ce que vous pouvez pour pouvoir faire aboutir votre projet. Parce qu'une fois de plus, terre, ciel et homme, et euh, au bout du compte, je pense que... Euh, le plus important, c'est ce que nous sommes et ce qu'on arrive à faire de nous-mêmes. OK OK. Alors, je vais continuer avec les prochaines questions. Donc, la prochaine question, c'était celle de Lorraine euh, qui demandait... Euh, s'il y avait un avenir professionnel serein pour son conjoint actuellement au chômage. Et donc, elle donne la date de naissance de son conjoint. J'espère que Lorraine vous êtes encore en ligne avec nous. Je vais directement regarder son thème. Donc, je vais vous le présenter comme j'ai fait jusqu'alors à l'écran. Alors, cette fois-ci, le conjoint de Lorraine est Métalline. Et euh, qu'est-ce qu'il faut euh, savoir en ce qui concerne euh, son thème à lui C'est que son métaline est plutôt faible ici en ce qui le concerne. Donc ce qui va être favorable, c'est la terre et euh, le métal. Il est actuellement dans un pilier euh, du coq euh, ici. Il est actuellement dans ce pilier-ci et ce pilier-ci rentre en conflit avec euh, le lièvre qu'il y a ici. Le lièvre euh, et le Coques sont deux animaux qui sont en conflit. En plus, ici, au niveau du mois, ça va toucher et les finances et le travail, donc euh, la carrière. Donc, ça peut être un petit peu euh, compliqué. Alors, par contre, ce qu'il y a quand même euh, d'intéressant chez lui comme indication, il y a deux choses que je trouve intéressantes chez lui actuellement dans le pilier dans lequel il se trouve, mais également euh, dans son thème. C'est que j'ai une indication ici de richesse indirecte et également ici. Qu'est-ce que ça m'indique en termes de, de, de lecture C'est, j'ai envie de vous demander, Lorraine, si vous êtes présente, est-ce que votre conjoint, s'il n'arrive pas à trouver du travail parce qu'il est au chômage, est-ce qu'il a déjà songé à monter sa propre entreprise, à monter son propre projet Parce que là, il pourrait éventuellement, et c'est un peu justement le pilier dans lequel il se trouve actuellement ici, même s'il y a un conflit, comme je le disais, entre ces deux animaux, moi ce que j'ai comme indication, c'est qu'il y a de la richesse indirecte. La richesse indirecte, c'est très souvent euh, le facteur déterminant pour être entrepreneur, pour être à son, à son compte. Donc il faudrait éventuellement qu'il travaille sur un projet euh, viable et, et qu'il qu crée lui-même son propre emploi. J'ai envie de dire si les choses sont compliquées euh, d'une façon euh, euh, différente, en tous les cas, s'il cherche à travailler pour quelqu'un d'autre, ça peut être plus compliqué actuellement parce qu'il a cette indication, en tous les cas, euh, d'entrepreneuriat. Donc, euh, vous me dites que oui, mais ça avait raté. J'ai envie de dire qu'il faut peut-être qu'il persévère parce que c'est peut-être comme ça, c'est peut-être en créant son propre emploi qu'il va pouvoir euh, mieux réussir. Et surtout euh, qu'il va certainement faire quelque chose qu'il aime et ça c'est quand même très important pour pouvoir euh, continuer euh, à être investi dans ce qu'on fait et est euh, vraiment apporter euh, quelque chose de positif à la fois dans notre propre vie mais aussi dans la vie des gens qui vont être impactés par le travail qu'on fait donc je pense que c'est peut-être intéressant je pense que c'est une piste en tous les cas euh, chez lui à exploiter donc euh, euh, qu'il se lance dans ses propres projets et qu'il éventuellement vraiment euh, essaie de trouver une idée fiable et viable et qu'il puisse les exploité pour être à son compte j'espère que j'ai pu en tous les cas euh, répondre à la question ok alors prochaine question myriam myriam j'espère que myriam est encore euh, en ligne également donc myriam posait la question euh, vous avez euh, si vous avez un temps pour caser euh, ma question donc oui <rire> ok <rire> avec grand plaisir lorraine avec grand plaisir alors donc la question de Myriam était, je suis en galère professionnellement depuis 3 ans suite à des problèmes de santé et la pandémie, euh, malgré mes recherches, je n'ai pas trouvé d'emploi, dois-je me résigner ou espérer un changement prochainement Myriam est encore là, parfait. Donc, on va aller sur le thème de Myriam. Alors j'espère que pour tout le monde cette émission est intéressante parce que là je parle de thèmes spécifiques et que les questions sont très diverses mais j'espère en tous les cas que c'est intéressant, que vous arrivez malgré tout à tirer pour vous toutes et tous des informations intéressantes et j'espère que si vous me regardez en replay que c'est également intéressant pour vous n'oubliez pas abonnez-vous si ce n'est pas encore fait c'est super important ça rend la chaîne encore plus visible et c'est super important alors donc, le thème de Myriam. Je vais directement, je me perds un peu avec mes touches là ce soir, je ne sais pas ce que j'ai. <laughs> voilà, ok. Donc là, on a le thème de Myriam. Et donc ici on s'aperçoit que Myriam est en maître du jour G et on a comme maître du jour une terre qui est faible. Je ne vais pas expliquer pourquoi mais en tous les cas c'est une terre faible. Les éléments qui vont lui être favorables c'est justement la terre et le feu. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose qui est assez, euh, assez incroyable chez Myriam, je ne sais pas si vous aviez déjà... Euh, connaissance de ça myriam mais en tous les cas si vous avez regardé les, les vidéos plus anciennes où je parle d'autopunition vous vous êtes peut-être rendu compte que vous aviez une deux trois autopunitions le coq les trois coques chez vous sont euh, sont des autopunitions donc les autopunitions en fonction de là où elles interviennent elles ont euh, bien évidemment des des indications euh, parfois euh, euh, un peu différentes en fonction oui, du pilier et donc du domaine de vie qui est touché. Mais globalement, qu'est-ce que nous donne cette auto-punition que vous avez dans l'année, le mois et le jour C'est qu'éventuellement, vous pouvez avoir une forme d'indifférence par rapport à votre propre santé. Donc peut-être que vous n'êtes pas euh, assez à l'écoute de votre, de votre santé. Donc ça, c'est la première chose, où vous ne faites pas assez attention à votre santé. Et, éventuellement, la deuxième chose, et désolé de le dire, comme je le disais, on n'entend pas toujours ce qu'on veut avec le bad the, c'est qu'éventuellement, vous vous apitoyez un peu trop sur vous-même, sur votre sort. Donc. Peut-être que les choses ne sont pas aussi compliquées que vous l'imaginez, ou peut-être que tout simplement, parfois, par le filtre de votre pensée, la façon dont vous voyez les choses, euh, vous imaginez des situations qui ne sont pas euh, réellement euh, ancrées dans la réalité, et c'est plus votre ressenti qui vous fait penser certaines choses. Donc, j'ai envie de dire que même par rapport au travail, tout cela, justement, ce travail, il faut peut-être parfois se sortir un peu de ces travers-là et arrêter de s'apitoyer sur son propre sort. Alors, je ne suis pas là pour vous mettre un coup de pied aux fesses quoique mais ce que j'ai envie de dire c'est que euh, vous avez du potentiel de présence tous les cas dans votre thème il y a des choses très intéressantes on voit ici euh, le A qui est ici directement présent c'est les amis mais ça peut être justement des clients par exemple euh, il y a également euh, chez vous alors juste à côté mais là comme j'ai écrit dessus on ne le voit pas bien oups c'est pas ce que je voulais faire <laughs> voilà la même indication que pour le conjoint euh, de Lorraine, qu'on a vu juste avant. On a ici euh, de la richesse indirecte, et ça, c'est à nouveau un, un bon signe pour l'entrepreneuriat. Donc, on a à la fois ici des gens qui sont présents, de la clientèle de potentiel de présent. On a un signe pour l'entrepreneuriat, et ici, l'air de rien, euh, ce fameux coq, est-ce qu'il y a en dessous euh, ce DV, ce dieu c'est quoi C'est de la production. La production c'est quoi C'est que avec cet élément production ou intelligence comme j'aime bien le dire aussi, vous êtes capable de créer vous-même votre propre richesse. Qu'est-ce que ça veut dire Et là c'est pas pour être un peu répétitif ou redondant, c'est que vous avez des capacités d'entrepreneuriat, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir également créer votre propre richesse. Donc si vous ne trouvez pas de travail, j'ai envie de dire créer votre propre travail également. J'espère que ça répond à votre question euh, Myriam, mais en tous les cas... Euh, je pense que ça, c'était euh, intéressant à observer. Et euh, la seule chose qui est un petit peu perturbante peut-être pour vous, c'est que vous êtes dans ce pilier de 52 ans, si je ne dis pas de bêtises, et que ce lièvre, de toute façon, il est en conflit avec euh, vos coques ici. Et donc ça peut toucher différents domaines de votre vie. Ça peut toucher à la fois vos finances et la carrière, ça peut toucher également votre vie amoureuse, ou ça peut toucher éventuellement euh, des connaissances, ça peut éventuellement vous amener à un déménagement aussi ou ce genre de choses. Donc voilà euh, ce que je pouvais dire pour euh, votre thème euh, euh, Myriam. Donc j'espère que là c'est euh, bien clair pour vous en tous les cas. Alors euh, j'ai encore deux questions que je vais vouloir aborder rapidement et après je regarderai si j'ai le temps de faire encore un petit thème rapidement, mais je pense que ça va être un peu compliqué pour aujourd'hui. Vous inquiétez pas, dans deux semaines on refera exactement la même émission. Si vous avez des questions que je n'ai pas pu répondre ce soir, j'y répondrai de toute façon dans deux semaines, c'est promis. Alors la prochaine question qui m'a été posée, c'était celle de Jacqueline euh, qui demandait en fait par rapport à quelqu'un qu'elle connaît. Elle a, elle a regardé son Buzzo par curiosité et elle a été surprise de voir que dans ses piliers à venir, donc dans les pieds de la chance, ces fameuses décennies, elle a lu les mots déclin, maladie, mort, tombe, etc. Donc, euh, elle voulait savoir si c'était alarmant cette succession de mots, effectivement un peu, voilà, pas pas très très sympa. Donc, elle voulait savoir ce qu'il en était. Alors, juste pour. Euh... Plus de 20 déménagements, je ne suis pas à un prêt. Bon, bah voilà Myriam. Mais en tous les cas, j'espère que les indications que j'ai pu vous donner par rapport au travail, ça peut éventuellement vous aider à pouvoir progresser en termes de carrière, en tous les cas. Et, euh, et je vous souhaite tout le meilleur par rapport à, ces, euh, à, cette, euh, à ce projet-là, en tous les cas. Alors, euh, là. Question de Jacqueline par rapport à ces fameux termes de déclin, etc., etc. Je vais vous montrer ça directement à l'écran. Et donc c'est ce qu'on voit en fait. Alors ça va être un peu petit euh, ici. Je ne sais pas si oui. Là, je l'ai fait un peu plus grand. Donc en fait, elle disait que il y avait effectivement ici déclin, maladie, mort et euh, le dernier, c'est tombe. On ne le voit pas. C'est directement mis euh, ici sur la. Euh, non, on le voit pas ici. C'est directement mis complètement à gauche de l'écran. Mais euh, donc, effectivement, on a des successions. Comme ça, vous voyez que dans le premier pilier, on avait naissance, bain, chapeau, diplôme, prospérité, déclin, maladie, mort. Chez vous, dans votre thème, vous aurez éventuellement une autre succession. À quoi, correspondre, à quoi correspondent ces choses-là euh, Ce sont ni plus ni moins ce qu'on appelle les douze phases du « chi ». Il faut savoir que l'énergie, le chi, euh, va avoir euh, différentes euh, phases. Et euh, c'est un peu... On, on a fait une comparaison avec en fait la vie humaine. Et donc on a la période de la conception, la gestation, la naissance. Et puis euh, ensuite on fait prendre le bain au bébé. Euh, ensuite il porte un chapeau parce qu'il va à l'école. Ensuite il est diplômé. Il sort de l'école. Ensuite il est prospère. Donc ça c'est plutôt la période de vie où tout va bien. On, a, on est dans une, entre la trentaine et la quarantaine et en gros tout va bien euh, ensuite on commence à décliner on devient malade on mord on va dans la tombe euh, etc etc donc on a ces douze faces qui nous montrent simplement les où, où en est l'énergie par rapport euh, à ces phases-là. Donc il n'y a rien d'inquiétant euh, par rapport à cela. Ça veut simplement nous donner une indication sur quelle est euh, la phase de l'énergie en question au niveau de l'animal présent ici. Donc vous voyez par exemple que dans son thème, on va avoir ici euh, con euh, conception. On a de la naissance, gestation, maladie. Donc, voyez, ici, on a un mélange. Ce qu'il faut juste savoir, euh, par exemple, très souvent, les gens qui ont beaucoup euh, de, euh, de phases dans leur thème qui correspondent euh, justement au début, comme naissance, bain, chapeau, diplôme, etc. Euh, C'est des gens qui vont avoir une forme de naïveté, qui vont poser beaucoup de questions. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi c'est comme ça Et pourquoi ça fonctionne comme ça Et comment ça fonctionne Un peu comme un enfant qui découvre les choses et qui pose beaucoup de questions. Donc là, il y a un côté beaucoup plus naïf, beaucoup plus enfantin. Les gens qui sont plutôt, euh, qui vont avoir plutôt des, 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 des branches prospères dans, leur, dans leurs quatre piliers. Euh, donc si vous voyez euh, prospérité dans, votre, dans, votre quatre piliers, dans vos quatre piliers, là c'est plutôt des gens qui, qui sont arrivés à, matur à maturité, j'ai envie de dire, et qui se posent moins de questions, qui sont là, qui travaillent, etc. Donc beaucoup plus pragmatiques, pratiques, etc ceux qui vont avoir déclin maladie mort euh, tombent dans leur thème principalement ceux qui ont des tombes par exemple aussi euh, ça ne veut pas dire qu'ils vont être morts non 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 ça veut simplement dire que là il y a une vraie maturité a, vous savez il y a une forme de sagesse mais une sagesse en fait où euh, vous vous dites euh, je m'en fous en fait vous avez tellement accumulé d'expérience et de et de, de choses dans la vie qui à un moment les choses ne sont plus aussi importantes que ça. Vous savez donner des priorités à la vie. Euh, parce qu'il y a cette forme de sagesse qui est arrivée avec les années. Alors même si vous, vous pouvez avoir 25 ans, mais si votre thème a, a beaucoup euh, de ces, de ces indications-là comme euh, euh, déclin, mort, etc., tombe, ça veut simplement dire que vous avez une forme de sagesse qui est présente, même à 25 ans ou à 20 ans, peu importe. Mais donc il y, y a voilà, il y a ce côté, je m'en fous. Voilà, je vais plus m'embêter avec des choses qui me polluent la vie, euh, il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que ça dans ma vie et je ne perds même pas de temps à vous répondre parce que, euh, parce que voilà, mon temps est, pré est précieux et j'ai pas envie de vous répondre. Donc vous voyez, c'est un peu ce type de, de personnalité qu'on peut avoir avec ça. Ok donc j'espère que euh, c'était euh, intéressant euh, pour vous. Euh, ok apparemment bonne question, je me demandais aussi. Euh, donc euh, bonne réponse aussi, super intéressant aussi cette question. Ok alors, euh, maladie aussi, oui oui, tout ce qui est déclin, maladie, etc. Donc ne vous inquiétez pas, maladie, ce n'est pas synonyme de maladie. Vous n'allez pas tomber malade dans le pilier où c'est marqué maladie. D'accord Ces histoires-là, c'est juste... Pour vous dire dans quelle phase se trouve le chi en question l'énergie en question donc ça ne vous concerne pas vous directement ça donne une indication sur l'état de l'énergie en question et ça vous concerne quand c'est dans vos quatre piliers comme j'ai ici inscrit avec maladie gestation naissance conception là ça donne plus des caractéristiques en termes de personnalité parfois on a un mix donc on a quelqu'un qui va qui est ni trop naïf, ni trop sage, ni trop ni trop euh, mûr ou mature. On, a, on peut avoir un mix comme ça, mais parfois on a des gens qui sont euh, qui sont même à 20 ans, 25 ans, profondément sages et qui se foutent un peu de ce qu'on peut leur dire parce qu'ils ont déjà vécu. Voilà, vous voyez ce que je veux dire J'espère que l'image était, euh, était intéressante. Alors, euh, <laughs> moi je tombe... <laughs> Je tombe dans la... dans la naissance, ok. Ça rassure, bah, très bien. Si vous, si ça vous rassure, parfait. On avance, on avance. Merci beaucoup Jacqueline de ta question. Alors. Non, ça par pas rapport avec l'âge justement, on peut, on peut avoir 60 ans et si dans son thème on a beaucoup euh, on a beaucoup d'animaux qui vont apporter comme ici le singe où c'est marqué naissance par, par exemple ou gestation ou alors on va avoir bain ou chapeau, typiquement même si on a 60 ans on va être quelqu'un qui, qui encore a un côté comme ça un peu enfantin, qui pose beaucoup de questions, qui a une forme de naïveté par rapport à la vie. C'est tout ce qu'il faut se dire, donc il n'y a rien de grave, ne vous inquiétez pas avec ces termes-là, même s'ils sont très imagés, il y a beaucoup de symbolique derrière tout ça. Euh... Je me suis posé des questions existentielles jeunes, tout est inversé, Bah ben, voilà. Ok, je vais être naïve à la fin de ma vie, ok. Oui, pourquoi pas alors, la dernière question que je voulais euh, aborder, c'était celle de Dagmar qui a envoyé euh, un message euh, qui disait euh, une personne qui a ses hommes nobles, singe et cochon est née euh, année tigre. Le tigre et singe sont en conflit donc dans la journée singe qui est normalement... Merci beaucoup Jacqueline sur le sup... pour le super chat, c'est très très gentil. Merci beaucoup. Donc, dans la journée singe qui est normalement homme noble pour la personne tigre est en conflit, que faire Ne pas utiliser cette journée, privilégier le cochon en guise d'homme noble. Alors, oui, il faut plutôt privilégier l'autre homme noble dans ces cas-là, j'ai envie de dire, malgré tout, l'animal avec lequel on est en conflit, parce que si on est né par exemple une année tigre, effectivement, euh, les euh, jours singes euh, sont euh, les jours avec lesquels on va être en conflit, mais malgré tout, ces jours-là sont également des hommes nobles, ça veut dire. À quoi ça veut dire que les deux se produisent en même temps on a à la fois une journée qui peut éventuellement être un peu stressante parce que voilà les choses peuvent se dérouler peuvent dérailler peuvent ne pas forcément bien fonctionner mais en même temps on a du soutien parce qu'on a également cet homme noble qui est présent donc les, les choses sont euh, comme on dit concomitantes j'espère que c'est le bon terme les choses peuvent se produire en même temps à la fois une journée stressante, mais au bout du compte, à la fin de la journée, les choses se seront bien déroulées parce qu'on a malgré tout euh, le soutien de cet homme noble qui est là. Donc, euh, donc voilà. <laughs> ok. Donc j'espère en tous les cas que ça a répondu à toutes ce, ces questions préalablement posées. Euh, je vais pas forcément avoir le temps de faire euh, les questions qui m'ont été euh, envoyées. Euh, donc, euh, j'ai envie de dire euh, merci beaucoup, Jean-Louis. C'est super gentil. Merci pour le super chat. Euh... Ce que je ferai la prochaine fois, euh, c'est pas la peine, de, dans deux semaines on refait le même type d'émission, c'est pas la peine de m'envoyer des questions à l'avance, je ferai directement les questions qui rentrent dans le chat, c'est promis, on les fera comme ça directement en direct, sans préparation, je vous dirai directement euh, par rapport à ce que je vois dans votre thème, euh, là il y a eu beaucoup en fait de questions qui ont été posées préalablement et que je trouvais intéressantes euh, à, à discuter, donc euh, c'est pour ça que là j'ai principalement peu parler de toutes, ces, de toutes ces questions qui m'ont été posées préalablement. Si vous aviez des questions, ne m'en pas si je n'ai pas répondu ce soir à vos questions. Revenez euh, lors du prochain euh, direct, de la prochaine émission en direct Badze, qui aura lieu dans deux semaines euh, max, ou peut-être la semaine prochaine, peut-être que j'ai un peu bousculé les, les habitudes. Et dans ce cas-là, je répondrai euh, aux questions directement posées euh, durant l'émission, sans, euh, sans toute cette préparation euh, au préalable. J'espère en tous les cas que cette émission vous a apporté des réponses. Euh, J'espère qu'elle a été intéressante euh, pour vous toutes et tous. Euh, J'ai été ravi de vous retrouver. Je ne fais pas trop long parce que c'est quand même un jour férié. J'étais ravi de vous retrouver en tous les cas. Et puis, euh, avant de nous quitter, euh, je voudrais bien entendu euh, remercier. Alors, attendez, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Voilà tous les membres de la chaîne et du JB Club, vous êtes de plus en plus euh, nombreux et nombreux. Vous êtes euh, 26, si je ne dis pas de bêtises, 27 maintenant avec Marie qui a rejoint euh, à faire partie... Euh soit de la chaîne ici ou alors du JB Club. Merci pour votre soutien financier. Euh, ça me fait extrêmement plaisir. Ça permet à la chaîne de continuer à se développer. J'ai acheté, euh, euh, voilà, grâce à, vos, à votre contribution, j'ai pu euh, investir dans une nouvelle caméra que je vais monter euh, pour la prochaine émission. Il me manque encore l'éclairage qui arrive. Et donc, on va se professionnaliser encore plus sur la chaîne. Et tout ça, c'est grâce à vous. Donc, un super grand merci pour votre soutien. Soutien, euh, parce que ça me permet d'acheter du meilleur matériel également et de vous proposer toujours des émissions de qualité donc merci pour ça euh, c'est vraiment euh, super donc je vous souhaite une belle soirée une belle fin de semaine profitez euh, de ce pont si vous faites le pont pour les autres bon courage si vous travaillez désolé pour toutes les questions qui ont été posées et auxquelles je n'ai pas eu le temps de répondre parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à dire par rapport aux questions qui avaient été préalablement posées je vous souhaite une très belle fin de soirée, un très beau week-end, et comme à chaque fois, prenez soin de vous et euh, prenez soin de vos proches, et on se dit euh, à très très vite. Ciao, bye bye.